Coucou, moi c'est Karine. Bon, excusez-moi, hein, je suis malade, donc tenue de circonstances. Je viens vous annoncer qu'on va faire prochainement cette petite carte de C. Lilou Scrap. Donc pour y mettre une carte cadeau. Ah, vous voyez, on y glisse même le doigt. Voilà, donc ça se referme comme ceci. Bon, elle s'était centrée. Donc la prochaine, je vais vous la faire centrée. Voilà. C'est du costaud, hein. Même celle-là, c'est du costaud. Bon, alors il vous faudra, j'ai déjà vous donné les dimensions des bases. Alors attendez, hein, parce que j'ai un tas de papier préparé que je ne me trompe point. Voilà. Voilà, et que voilà. Donc, je me rappelle plus des dimensions. Non, ça c'est parce que je suis pas bien en ce moment. Donc, un papier de 21 par 14, un autre de 21 par 10 et demi. Ce sont les bases. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel papier, qu'il soit blanc ou imprimé des deux côtés. Là, c'est la base. Et trois carrés de 10 cm de côté. 10 par 10, quoi. Hein? C'est des carrés. Voilà, vous me préparez ça. Et le tuto viendra dès que je ferai l'école. Stamping up. Voilà. Donc moi j'ai déjà préparé tous mes papiers. Je vous dirai au moment voulu les dimensions. Alors franchement, prenez un papier. Soit de stamping up, soit imprimé des deux côtés, c'est plus sympa. Moi, j'ai dû jouer avec un papier blanc de l'autre côté parce que j'ai pas de papier stamping up. Et je me suis débrouillée pour faire tout ça. Voilà, donc je me suis débrouillée. Au dos, j'ai bien centré. Là, j'ai bien centré. Là, j'ai bien centré. Et on a le restant ici. Ce qui nous fait ceci. Voilà. Alors, belle carte, je vais le centrer parce que je voudrais vraiment que ça fasse le même effet que c'est Lilou Scrap. Ma vie, si tu me regardes, j'ai trouvé une démonstratrice proche de chez moi. Donc, je vais continuer tant que je ne suis pas opérationnelle, hein, pour tout. Je continue avec toi et après je passe à elle comme ça, elle est plus proche et on pourra se communiquer quelques trucs.
Et puis, peut-être qu'elle pourra m'aider à organiser un atelier, par exemple, ou voilà. Voilà. Donc, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Il est déjà presque 3 heures. Voilà, bonne fin d'après-midi, bonne soirée. Au revoir.